Qu'est-ce que tu joues actuellement? C'est triste de voir une box pareille en gold en bronze 3. Vous me rendez fou. Vous me rendez fou. Oh là 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 là. Eh mec, ils ont des box 8 fois comme la mienne. Vas-y, tes teams, elles sont bien là, à part le Chris que je suis pas fan, mais sinon les teams, elles sont très bien là. Elles sont très très bien. Non, ce qui va pas, c'est ça doit être ton stuff en fait. Le Chris, moi je suis pas fan. Je mettrais autre chose à la place de Chris. Je sais pas, t'as pas un Kimar avec tout ce que t'as? Ou un autre locker encore? T'as déjà deux lockers, t'as pas un troisième locker? On met un locker à la place de ton... de ton Chris. T'as bien un troisième locker qui traîne, non? Ou un Kimar, ou je sais pas. Même Kimi à la rigueur, mais bon. Je pense que t'as mieux. T'as pas de Kimar? Le locker là, que t'as mis là. Je le mettrais peut-être plutôt là, en team speed. Tu joues pas le singe? Et il a ta race Rotos et Deorius. Moi je joue le singe parce que j'ai rien d'autre. Mais je pense que c'est facilement contrable en def ou Kong. C'est beaucoup plus facilement contrable qu'un Leorius ou qu'un Taras ou un truc comme ça. Après en attaque il est jouable. Il serait clairement jouable en attaque. Là, ah oui non mais là je mettrais pas Pythion aussi. Bah à la rigueur Pythion. Non là il te faudrait un boost de speed au pire. Enfin un lead speed. Comment on pourrait faire? Je pense que la première est bien. Hein. La première est bien. Là en fait il te manquerait un lead speed. Le Pythion il a rien à faire là. Un lead speed, ce serait bien, je pense. Que ta Sifi, tu la joues speed, hein. Attends, je vais pas enregistrer. Avoir le stuff, car là, c'est pas normal. Ouais, je pense que c'est parce qu'il joue pas. Le stuff, non, c'est respecté, je pense. Y a moins. Y a pas forcément. Ouais, y a pas énormément de stuff, malheureusement, je pense. Oh, le Taras, il est propre quand même. Il est propre le Taras. Je trouve. Non, on va regarder un petit peu ce que t'as en tout. En lead speed. Ça se trouve, t'as des trucs en chambre aussi. Là, j'en vois pas. Uko? Uko, ça serait peut-être pas dégueu. Tu le joues étourdissement? Non, tu joues pas étourdissement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comme ça, t'as un strip, un lock, un nuker. Et là, je te mets Sifi. La première est très bien. Et la dernière. T'as déjà ton lead speed. T'as déjà ça. Après la première, je pense qu'elle est facilement bombable par contre. Mais bon, en bronze 3, hein. Ah, la rigueur Kimi là plutôt que le Krisk. Un truc vraiment speed quoi. Ça te ferait de la précision en plus pour Tormin. Ça te boosterait la vitesse. Ah, t'as Lissandra. Et à la rigueur, Uko là.
Uco étourdissement ici, non? Bon, ça te fait deux team speed, mais c'est plus simple en termes de stuff à stuffer des team speed. Mais moi, je suis en jouant très peu. Je pense que Uco sera mieux que l'autre. Là, tu mets Uco. Tac. Ça, c'est bien, ça, je pense. J'ai un Torment en stun, je crois, Luke, si tu veux. Ah, vaut mieux que ce soit Uco en stun que Torment. Hein. Alors, ton cycle. Ça, tu l'as mis en prio. Moi, je mettrais le Raze en prio. Hein. Ah, par défaut. On sait jamais. Ouais, ça, c'est bon. Ça laisse par défaut, je pense. La peur, elle est bien quand même. Après, c'est pour mettre des buffs en plus pour ta race. Ouais, peut-être laisser comme ça. Ok, ça c'est bon. Là, je sais pas si elle le fait automatiquement. On va faire ça. Lui, qu'il fasse ça en premier, je pense. Yumeko. Hop. Sifi, au cas où. Tac. Et là, normalement, ça c'est bon. Lui, je pense qu'il lance la bonne attaque. Ça, c'est ça en prio. Et du coup, il fait ça en ouverture. Et c'est tout. Tac. Et pour. On va restuffer un petit peu tout ça. Uko stun, c'est fort. Alors, ton Torment, il est comment? C'est ton Tormain qui est en stun. Vaut mieux que ce soit Uko, hein. Lui, à la rigueur, on le met. Sachant que t'as déjà un Nuker dans ta team, on le met. Tu peux le jouer contrôle, hein, full précis. C'est pas un souci. Parce que je pense qu'en termes de stuff, ça va être compliqué de le jouer. À la fois, par exemple, avec autant de précis tout en le mettant nuker. Je pense que ça va être compliqué. Moi, je le jouerai précis. En plus, elle est 6 étoiles, ta Lilith. Franchement, t'as du lourd, hein. T'as du lourd, lourd. Hein. Ça me dégoûte. Ouais. Ouais, bah, je vais te faire un Uko stun, déjà. Je pense que le reste est. Les a à peu près respectés. Pot de pierre un tour, pot de pierre deux tours, c'est quand même mieux. Bon, après, tu l'as mis en un tour, c'est pas dramatique. Le terrasse, il est beau hein, quand même, ça va. Hein. UDK, ouais, en plus, c'est respecté hein, quand même. Hein. Ils sont respectés tes mobs. Du coup, je l'avais mis dans la team ou pas, je sais plus. Non, je l'ai pas mis hein, du coup, au final. On n'a pas mis Uko. Pition, pardon. Il y avait qui d'autre dans les persos? Le Rotos, je pense qu'il est. J'en ai un autre, Tormain Nuker. Ouais, c'est lui. Déjà, il manque 2%. Et je préfère que ce soit un contrôle. T'as déjà les Aureus en nuke dans cette team. Je préfère que t'aies du contrôle, perso. T'as déjà les Aureus. Bon, et le Rotos. Ouais, le Rotos, ça va. Ça va. Donc, on va te stuff Uko déjà. Uko étourdissement. Et Torment, on va regarder. Torment, je pense que je vais te le jouer contrôle. Donc, on va retourner sur Elades, les gars. Tac. Tac. On était sur du Uko. Tac.
Tu lui as mis la météore parce que tu le joues aussi sur l'hydre, hein, c'est ça? Je vais mettre Balance Mode. 7. On va lui mettre un 7 étourdissement. Alors étourdissement, c'est comment en anglais? C'est stun. Stun, hein, voilà. Stat. En précis, il faudrait aller 500, ce serait bien. Des priorités à la speed. Hop. Optimize. Start. Oh, ça propose pas grand-chose. On a du 268 de speed avec 500 de précis. Je me doute qu'on prend pas sur Warlord. On va pas prendre sur Warlord. On a un stuff. Oh, c'est lent. C'est lent, on va peut-être baisser la précision, non? En plus, ça reprend sur Yumeko. Sur Yumeko, on veut pas. Allez, je vais mettre 400. Pareil, manque de stuff, je pense, ton compte. On sera à combien? 284 de speed. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Il manque de précis, mais bon. Après, au lieu de mettre. J'avais mis quoi dans la dernière team? Je vais les retourner voir. On peut mettre Kimi hein, pour augmenter la précis après. Hein. Si c'est un souci. Défense, j'avais mis quoi dans la dernière? Ah non, il n'y a pas la place de mettre Kimi. Non. Et y a ta Lissandra, j'ai pas regardé. Au passage. J'enchante tout ça, je vois trop que. Ah bah impeccable ça. Impeccable. Ouais, du coup ça te va comme stuff ou tu veux pas des stuff les persos là? En attendant, je regarde ta Lissandra. Elle est où? Taper parce que je la trouve pas. Elle est là. Ouais, elle est full speed quoi. Ça va, ça va. Le singe un peu embêté mais pas grave. Oh, on peut retirer le singe. On peut retirer le singe, on va voir ce que ça donne. Tu perds même pas de 10 de speed. Ah, mais du coup, ça applique sur Sifi. On recommence. 275 de vitesse. Là, c'est mieux. C'est pas mal, là. Et après, on te fait un Torma contrôle. Vas-y, parfait. Eh bah go. Go, go, go. Alors. Tac. On retourne sur Yuko. Notre ami Yuko. Alors. Filtre équipé. On va le mettre bien comme il faut. Il y a le voisin qui passe à la perceuse là. Tac. Donc on va partir sur le 7 étourdissement déjà. Alors la tête et le bouclier c'est ce qu'il y a sur Torma. Torse. Putain, c'est un torse Rési. On me propose un torse Rési, c'est quand même assez dégueu. Un petit manque de stuff quoi. Torse résiste, j'aime pas trop. Hein. Torse précis, dis-toi que tu gagnerais bah 96 de précis. Hein, à peu près. Faut qu'il y ait de la sous-stat précis. En fait, c'est parce qu'il y a ta triple roll speed. C'est pour ça que ça propose ça, je pense. Et là, on a l'arme de Gnishak. Qui est là. Et on a le gant de Nia.
Nia, où es-tu? Nia. Gant, gant, gant. Voilà, c'est quand même mieux, hein. Quand même bien mieux. Il y a des trucs qui sont pas glyphes, tu peux regagner de la précision, tu peux regagner un petit peu de vitesse. Là, ça me proposait une autre amulette, mais c'était une amulette dégâts crit, je suis pas fan. Tu gagnerais genre 5 de précision, on s'en fout. Non, après là, on est bien. On est pas mal. Tac. Dans ta team lente, j'ai vu que t'avais une team lente. Essaye de mettre un maximum de bijoux réac. Tu perdrais en résistance. Mais double réac, c'est quand même mieux, je trouve. Après, à voir. En vrai, la pièce est pas dégueu, hein. Moi, je rerollerais pas ça. Hein. Ça, je le reroll pas, moi, perso. Hein. Moi, ça, je le reroll pas du tout. Hein. 750 de Rési, pourquoi pas, hein. L'élite Rési, c'est pas dégueu, mais c'est pas ce qui est le plus joué en ce moment. Hein. C'est plutôt vitesse double tour pot de pierre. Hein. Donc Uko on l'a fait. On va regarder ton Tormain Control. Ah bah Tormain Control, on va retourner sur Eladès. On va regarder si on peut le faire nuque. Avec un petit peu de précis, voir ce que ça nous propose. On sait jamais. Tormain. Tac. C'est le bon. C'est bon ça. Optimize. Je vais essayer Damage Mode. Stat. Genre. Ça va être surtout pour contrer les Team Speed. Rien que 300 de précis. C'est bien. Je pense. On va laisser chercher un peu. Faire une clope. Franchement, si c'est en sauvage, c'est propre. Hein. 271 de dégâts crit avec 300 d'AQ. Si c'est en sauvage, c'est propre. Pour être serveur en RTA. Je me demande même s'il est pas plus propre que le mien, quoi. Le mien, il est trop dégueulasse de Tormain. Bon, à mon avis, ça va te prendre des pièces pour des persos principaux. Hein. Ça se trouve, ça te prend des pièces sur ta race ou je sais pas quoi. Va falloir faire le tri. Oh! Ça va, hein. Je joue Taras Ronda en RTA. Ouais, mais quand tu te. En last pick, même à très haut niveau, les gens jouent mettent Tormain. Hein. En last pick, en fait, quand t'as une team speed en face de toi, le mec il te met du Shuzen Arbitre, je sais pas quoi. Tu last pick Tormain, il est trop deg, il est obligé de te le ban. Hein. Ça propose ça. Je sais pas si tu veux des stuff, ces trucs-là. Bah, je me doute, pour les bijoux on peut se démerder. Hein. Pour les bijoux on peut se démerder. Je me doute que tu vas pas prendre sur Akrisia et sur Gnut. Mais après c'est surtout pour les artés. Est-ce que ça te va ou pas? Par contre j'ai pas mis de. Putain j'ai pas mis de speed mini. Ouais, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de speed mini. On va recommencer. Inisoué, Akrisia, Gnut, no. On va recommencer la speed, elle est. Il faut au moins deux. Au moins 190, allez. À ton niveau, je pense 190, c'est bien. Ah, c'est plus les mêmes dégâts crit, hein. C'est plus les mêmes. Ouais, forcément, il y avait zéro vitesse.
Il y avait zéro vitesse. Vas-y, on va faire pause, on va déjà regarder ce que ça propose. Ouais, du coup, ça prend sur ta race. Ouais, bah, à mon avis, t'as pas le stuff pour le mettre en dégâts. Je pense qu'on va pas le mettre en dégâts, on va le mettre juste contrôle. Et avec un peu de chance, on peut le jouer. Je sais pas, avec un. Y a quoi comme set qui serait intéressant pour contrôler encore plus? Bah, il y avait l'étourdissement, hein, c'était pas con l'étourdissement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Provoque, pas fan, parce qu'il provoque déjà sur la 3. Ouais, ça serait étourdissement, pourquoi pas? On peut essayer étourdissement. Il faudrait pas que ça prenne des pièces sur Uko, quoi. Donc attendez, on va recommencer. On va mettre balance mode. Ou même survival. Stat. Du coup, en précision, on va viser un peu plus haut. 400. Speed mini, on reste à 190. T'as pas besoin de jouer ultra vite, je pense. Allez, 200, on va dire. 200 quand même. Ça serait bien de jouer avant ton DPS. Mais ton Lerus a moins que ça, normalement. Et 7, on va essayer étourdissement. Ça pourrait être pas mal. T'aurais une double team étourdissement, ça serait. Enfin, dans ta team, t'aurais deux persos en étourdissement. Ça peut être grave, cancer. Allez, go. Ça me paraît pas trop mal. À mon avis, vu que j'ai mis survival mode, vaut mieux chercher plus de précis, plus de vitesse. On va recommencer. Parce qu'en fait là c'est trop tanky, ça sert à rien. Ça sert à rien. Encore vachement tanky, hein. Plus raisonnable là. Peut-être même jouer encore plus vite, plus speed. Hein. Tu lui as mis quoi en grâce à lui? Chaîne temporelle. Torma, moi j'aime bien mouton. Hein. T'as mis Stone Skin? J'ai mis Stone Skin? Non. Putain, bien vu. Bien vu. C'est pour ça. Putain, j'ai fait un misclic. Allez, on stun à mon avis. Ouais, du coup, c'est pas la même. Ouais. On va repartir sur des stats un peu plus basses. 400 et 220. Merde, pas 2220 là, c'est. Tac. Et on va faire pause, on va regarder. Alors ça a repris des pièces qu'on avait déjà prises, si je dis pas de conneries. Mais là, ça me paraît pas mal. Les gants, on va en trouver d'autres. Il me semble que ces gants-là, on s'en est servi. Ça et ça, bah, c'est ce qu'on a pris tout à l'heure, non? Non, même pas. Non, c'est sur l'autre Tormin, l'arme. Il y a la tête qui a été prise. Je peux essayer de commencer à construire là-dessus, si tu veux. Et puis je vais finir moi-même.
peux lock des persos pour être sûr qu'ils ne perdent pas leur stuff. Ouais, je sais, je sais. C'est ce qu'on a fait avant. Mais en fait, là, vu que j'ai pas actualisé, il y a des pièces qu'on a piquées tout à l'heure qui sont revenues. Alors, je vais te montrer. Si tu veux, on voit après ce qu'il y a sur les autres. Vas-y, on fait ça. On fait ça, on fait ça. En fait, là... Ah non, la pièce que ça propose, là, c'est celle-là. La tête, du coup, a été prise. Je dis pas de conneries. On a le bouclier de... On n'est pas en équipé. On a ce bouclier-là. C'est de l'épique. Bouclier de Sylle des Drakes. Ah, ça se trouve, on l'a pris aussi tout à l'heure, non? Je le vois pas, perso. Y a pas de bouclier sur Sylle, là. On a dû le mettre sur Yuko. Je vois pas Yuko non plus. C'est quoi les sous-stats? La précision. C'est un épique, logiquement. C'est ouf, je le vois pas. Je ne le vois pas. Bon, c'est tout, on va le faire à la main. Stat prioritaire. Précision élevée. Ben ça, déjà, ça serait bien. Tac. Il faudrait une tête étourdissement du pouf. C'est pas ouf. Des gants étourdissement. Est-ce que t'en as? C'est pas ouf. On partirait plutôt sur la tête qu'on a vue du coup. Les gants. Je me doute que ça tu t'en sers pas. Part peut-être en faction. Torse. Stat primaire précis, sous-stat vitesse. Il faudra étourdissement. Mais t'en as pas. Ça serait ça le mieux. C'est ce que ça proposait de base. Et bottes. On veut des bottes speed. Ce serait celle-là. Peut partir là-dessus. Après, on va changer les bijoux. Ça te va? Puis après, on va tester quelques runs. On va aller se taper un peu. Vas-y, parfait. Ok. On va te monter les pièces. Tac. Là, pareil, on peut gagner de la précision si on veut. On n'en a pas eu. Là. Stat prioritaire, précision élevée. C'est là-dessus que t'as plus de précis. En fait, c'est parce que ça a été glyph. On peut tester d'autres. Dégâts crit, ça me fait chier parce qu'il est pas en. Il est pas en dégâts. Dommage. Oh putain, incroyable. Tout sauf de la précis quoi. On a pas de chance. Un proc. Pas ouf. Les dégâts crit, ça me fait un petit peu chier. Ah, le mieux, ça serait celle-là. C'est à fond.
c'est pas grave. Attends, on gagne moins. Ouais, c'est parce que c'est pas glyph. Après, contre-attaque? Putain, je l'avais pas vu. Contre-attaque, c'est bien hein, sur Torma. Ah! Putain, tout a été sur la raise. On a quoi en équipé? Ah, c'est que du dégât crit. Ouais, c'est tout, je te mets ça. T'as moins de précis, mais c'est parce que t'es pas glyph. Bon, tu gagnes 2. Au pire, je te laisse celle-là pour l'instant. Là, bah, ça serait bien une bague contre-attaque, du coup. Ou à la rigueur, réac. On va partir sur du réac. Voilà. Réaction, ce sera toujours un peu mieux. Et la bannière, c'est quoi? Une bannière précise déjà. Donc, ce qu'on pourrait, c'est gagner par exemple de la vitesse. On va tester un peu tout ça. Parfait. Après, je te laisserai tester les autres. Hein. Tu peux en gagner de la vitesse, peut-être. Et que je te nique pas toutes tes silver, quoi. Ouais, là, mouton. Hein. Toujours un Tormain, un mouton. Vu qu'il a de la précis. Et en plus, ça lui fait gagner de la def à la deuxième étoile. Et c'est un perso def. Du coup, on teste ça. Un petit peu. Alors, choix d'équipe. On va te. Je peux te casser les deux dernières. Comme ça, je te les mets en attaque. Ça sera les trois dernières du coup. Ah bah attends. Non, ça c'est pas ça que tu joues. J'ai pas vu ton Warlord, il est bien en pot de pierre. C'est quand même fort en pot de pierre. Alors, tac. Là, on avait Warlord. Ouais, SS, ok, parfait, parfait. Tac. On a Taras et UDK. UDK, il est là. Là, on avait une team qui ressemblait à ça. On avait mis. Putain, je sais plus. C'était qui le nuker? C'était Ah, c'est Leorius. Ça, c'est la team avec Leorius. On a Leorius, Tormain. Ouais, c'est ça. Leorius, Tormain. Le bon Tormain, c'est l'autre. On a pris celui avec la grâce. Il est là. Léo. Et je t'ai mis un autre boost ATB, je crois. Ah non, je t'ai mis Yuko. Je t'ai mis Yuko. Et l'Eorius. Tac. Et la dernière. C'est la team avec Sifi, Lissandra et tout ça. Donc on a Lissandra en lead. Sifi. Protoss. Et Yumeko, ouais. Parfait. Alors je te les cycle pas, on va tout jouer en manu. Quand t'attaques, bah bien sûr la team Rotos essaye de pas attaquer des UDK. Après tu regardes les affis. Tu regardes les team speed. Si t'as peur de te faire outspeed, par exemple la seule team speed pour moi en face c'est la première et encore c'est pas super speed. Tu mets ta team lente. Et après tu avises avec les deux dernières. Qu'est-ce qui serait le mieux? En vrai, de toute façon, là, on est censé les arracher les trois. Hein. C'est de la merde en face. On est censé tout arracher là. Hein. Enfin, t'es censé tout arracher jusqu'au gold 2, je pense. Même sans stuff. Plutôt, t'avais quand même un peu de stuff. Hein. Au revoir tout le monde.
Ah! Attention, c'est lock. Voilà. Là, vu qu'il y a du pot de pierre, on a une chance de strip. On a strip. On a tout étourdi. Je bloom. Et bloom. C'est fini. Non, mais ouais. Que tu. Tu vas te fight un peu et puis tu. Tu vas monter, mais vraiment sévère. Hein. Celle-là, elle est ultra contrôle. Alors, on va taper ça en premier. Bim. Le Magnar. Après, on focus le Hugo. Le Hugo, pardon. Je monterai doucement. Non, mais toutes les semaines, tu es censé monter comme ça jusqu'en gold. Hein. C'est juste trop fort ce que t'as. Hein. En bronze, t'as rien à faire en bronze, hein. Allez, suivant. C'est quoi? Y a pas de team rapide, y a que de la merde. Qu'est-ce qui pourrait se buff? Il se buff même pas, le Tormain il sert à rien. Si, il se buff là, à la rigueur, allez, hop. Peut essayer ça. On peut clairement essayer ça. T'as une box de ouf, hein. T'as vraiment une box de ouf, hein. Parce qu'il joue pas en 3 et 3, en fait. C'est juste pour ça. Tout est lock. Alors, je vais taper d'abord la couronne crâne. Comme ça, on passe à travers son invincible. Ah, ça, c'est pas mort, par contre. Bon, t'es tellement contrôle que ça va le faire, je pense. C'est pas grave, Lissandra, elle va pas te faire bien mal. Oh, je vais lancer en auto, hein. Voilà. Et le dernier, du boost. Contrôlé, on tape, on retape. À un. Moi, tu vas rouler sur tout le monde. Hein. C'est tellement des teams basses, j'ai même pas envie de les essayer. Là, il y a un peu plus de legs. On va essayer la team avec les legs, là, parce que les. Là, tu vois, la team speed, c'est la première, logiquement. Donc, je vais mettre toi ta team lente. Mais normalement, tu t'as out speed, hein. Bah oui, il va monter gold facile, hein. Facile, facile, hein. Gold 2 sans problème. Après, pour plus haut, ça va dépendre du stuff et tout ça. Et si tu joues bien en manuel et tout. Mais tu peux même faire du gold 3, 4. Hein, moi, j'ai pas une box. J'ai une box plus petite que ça, moi. Donc, enfin, j'ai des moins bons persos, quoi, pour l'arène. Hop. Hop. C'est vraiment trop trop facile, là. Mais vraiment. Ce qui serait peut-être bien, c'est que la Lissandra joue avant la Yumeko. Ça serait plus opti. Comme ça, Yumeko, elle recharge Lissandra et derrière tu recontrôles encore. Vas-y, ça c'est des teams trop pourris. Tiens, il y a des teams un peu plus hard là. Là c'est plus hard. On va essayer. Alors, il n'y a pas vraiment de team speed encore, hein. Pour la Arima par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour Arima? On va plutôt changer ces deux-là. Là, on peut pas mettre ça. On va jouer comme ça. On va voir.
Je revérifie, mais je crois que ta Lissandra joue après. Elle est plus lente que ta Yumeko, ouais. Parce qu'en fait, là, tu... Ça recharge. Et là, c'est con, on profite pas deux fois de ça. On pourrait en profiter deux fois. C'est quoi, j'ai envie de taper là. Bon, dommage. Alors, on va faire ça. 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 On skip ça. On réduit la TB. Je vais faire 1-1 là. Dommage, on n'a pas rejoué. Je slip ça. Bon, j'aurais dû réduire la TB du Brony, mais c'est pas grave, de toute façon il est lock. C'est vrai que je... J'y pense pas, mais avec le lock forcément... Vas-y, je lance en auto. Ouais, je te rebuild vite fait Lissandra et puis on est bon. C'est trop fort, c'est trop fort. C'est carrément trop fort. Alors une box de salaud quand même, hein. Ah mon salaud. Je m'étonne que ça donne envie. La box est trop ouf. La box est trop ouf. Ah ouais, non mais Taras... C'est vraiment jouissif de le jouer, hein. Tu sais que quand t'as des buffs et qu'il balance, c'est fini quoi. En plus tu lock, t'as deux locks. T'as tout ce que j'ai pas. T'as des locks et t'as des bons nukers. Bon, celle-ci doit être un petit peu plus compliquée normalement. On va quand même essayer. On risque de se faire lock. On risque de se faire lock. Voilà, on s'est fait lock. En plus, ça a cleanse en face. Mais s'il a pas le stuff qui fait du bien, on peut peut-être réussir. Ça c'est mort. On va taper Arima. Ça réduit son ATB. S'il a pas le stuff qui suit, tu vas quand même réussir à gagner. On va booster. Allez, t'as gelé, c'est parfait. Gel, étourdissement. Dommage pour ça. Allez, on raise. Allez, provoque au moins. Dommage. Toi, étourdi. Non. On n'a pas de chance. Arima. Ah là, c'est mort. C'est bon, c'est gagné. Je lance en auto. On focus le. On focus lui. Voilà, c'est bon. On sait qu'ils vont. Je sais pas du tout. Honnêtement, honnêtement, j'en ai aucune idée. Bon, je te stuff Lissandra et puis on est bon. Alors, Lissandra. En fait, c'est simple, il faut juste un poil plus de vitesse que Yumeko. Donc, Yumeko, elle est à 3,22. Lissandra. Quitte à ce qu'elle ait pas de précis, au pire, c'est pas grave. De toute façon, t'as un lock. Lissandra, elle a 3,6. Donc, il faut un peu plus que 3,22. Est-ce que tu. Ah, ta bannière est belle quand même. Stat prioritaire, vitesse élevée. Ouais, t'auras pas mieux sur la bannière. C'est du pot de pierre, ça c'est pas du potec. Ouais, est-ce qu'on va réussir à avoir mieux? C'est ça le truc. T'es en bot 5 étoiles.
T'as des bots 6, hein. Ça fait gagner déjà 5 de speed. Tu peux tester les... Ouais, t'as pas assez. Ouais, des 6 étoiles perfectionnées, t'es bien, hein. Le problème, c'est que il y en a pas. Donc t'as du 6 étoiles, par exemple, on pourrait prendre ça. Ça te fait gagner déjà 5. Sous-stat, vitesse. Stat prioritaire, vitesse élevée. Tête de Gurpuk, par exemple. L'arme de Hachak. Non, on perd sur l'arme. On peut avoir quoi? Bouclier de P.K. Non, je me doute. Kimi. On est à 3,22 avec une meilleure glyphe. Tu passes devant ta Yumeko. Par exemple. Je pense qu'il y a peut-être une glyphe ou deux. Je crois ton torse et ton gant, ils sont pas glyphes. Donc ça veut dire que tu peux gagner de la speed. C'est pas mal ça. En plus, tu gagnes un peu de pré. Ça se prend. Est-ce que ça te va ça? Glyph, voir si j'en ai. Il te manque un de speed hein, pour passer devant Yumeko. Là au pire pour l'instant elles ont la même vitesse. Je sais pas lequel des deux a la plus grosse vitesse de base. Parce que sur le lead speed c'est là-dessus que ça se joue. Mais si ça on peut prendre déjà dans un premier temps. Ça serait pas mal. Hop. Juste un. Hein. Juste un, c'est bon. Normalement. Attends, je vais regarder les vitesses de base, on sait jamais. Ah, elle a 110. Attends. Yumeko, elle a combien de vitesses de base? Ça se trouve, c'est même bon là déjà. Hein. C'est bon. C'est bon. Tu géreras tes glyphes. Normalement, on peut tester. Parce qu'en fait, vu qu'on a un lead speed, c'est sur la vitesse de base que ça joue. Et là, tu vas voir, c'est un peu mieux. On va prendre une grosse team. La première, là, elle est assez solide. Bah, forcément, Tormin, on va jouer la team Sifi. La team rapide, je vais mettre la team lente. Par contre, on n'a pas de cleans, donc j'espère que ça va le faire. Et la dernière, on va mettre ça. On va essayer ça. Là, le match-up est pas ouf, par exemple. Le match-up est pas super ouf. On va essayer. Voilà, Lissandra joue en première. Du coup, ça te fait booster. Tu recharges. Et derrière, elle peut revenir booster, en fait. Là, dommage. On rebooste. On rebooste. Bon, c'est team résiste en face, c'est un peu chiant. Mais il est lock, hein. Logiquement, il est lock. Je vais skip ça. Je vais réduire la TB de ça, c'est pas passé, dommage. Bon, il nous a un. Ah merde! Voilà, pour l'instant, je vais faire ça. On va attendre de récupérer le refresh de Yumeko avant de raise. Putain, qu'est-ce qu'il fout avec un set gel, lui? Je vais booster. On va booster. Tu le en 1. Ouais, j'avoue que je pourrais le tuer. Hein. J'avoue. Tiens, il est mort. On a le refresh. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais. Je vais déjà faire ça. Ça. Ouais, le problème, c'est que c'est pas bon là. Après, je peux faire des full 1, hein, mais. Ça va être long, ça va être un peu chiant. Donc je vais raise. On va recharger.
J'aurais pu... Ouais putain, j'aurais pu faire autrement. On recharge. Et on vient... Je vais d'abord le slip, lui. Je vais venir raise. Voilà. Tac. Fait chier lui, hein. Oui, il fait chier. Proc SP là. J'aurais dû tuer lui. On le tue. Bon, ça vient raise. On re slip. Putain, il nous a lock. Bon, relou, relou. J'ai réussi à perdre. Ah, c'est de ma faute, j'ai fait de la merde, hein. On n'est pas censé la perdre, celle-là. Hein. Là, je vais pas pouvoir raise en plus, je suis sûr. Ouais, on peut pas. Ah, vas-y, je la passe. C'est de ma faute. Boum! Faire 2-3 minutes pour rien avant. Logiquement, elle était gagnable. Hein. Hop, et la dernière, c'était quoi? Alors là, faut faire un peu attention. Je vais quand même tenter. Pas envie qu'on y passe 1000 ans. Elle est vachement tanky la team là. Bien bien cancer. Hein. Faut attendre le bon moment, on va attendre que les pots de pierre se barrent. Ouais, ça. J'aurais pas dû mettre cette team là. La team Roto, j'aurais dû la mettre ici. Peut-être. Ça aurait été mieux. Là, on va avoir du mal. Là, le mort tué, à un moment donné, il va proc et. On va se prendre une volée. Ouais. Bon, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Mais normalement, là, t'es bon. Et là, c'est. Là, le premier que j'ai attaqué, c'est pareil. Hein. C'est un mec qui a rien à faire en. En bronze. Hein. Allez, on en tente une dernière. On va mettre la team lance là. Là, il y a du buzz. Rotos pour passer à travers l'Eorius. On va essayer ça. OS. C'est fini là. D'abord tuer ça. Le vieil ermite pour pas qu'il raise. On slip ça. Ça je sais pas ce que ça fait, je sais plus. On va réduire son ATB dans le doute. On se booste. On se booste. Voilà. On lock. Tac.
Et boum! Ça te va? Et tu me diras, bah là t'en as pour plusieurs semaines hein, avant de pas pouvoir monter. Hein. Normalement là toutes les semaines tu montes. Hein. Jusqu'à, je te dis, Gold 2-1, Gold 2-2 sans trop de difficultés. Tu joues ces trois teams là. Après tu peux, en fonction de ce que t'as en face, tu peux toujours changer 2-3 trucs. Tu vois, tu peux changer le nuker, tu peux changer le boost, ce que tu veux. En tout cas ça c'est pas mal. Je dis yes, je vais y rejouer. Ça marche. Allez, je te rends ça.